Bonjour. Dans le jeu. Hâtez la venue glorieuse du Christ. La demander comme un don de Dieu. Un don gratuit, incommensurable, que nous ne pouvons pas mériter. Mais qu'en même temps, Dieu veut donner, car il veut que réussisse le projet de sa création. Alors, ouvrons les Écritures. Saint Pierre, deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 2. Il commence en disant « Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quelles ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu ?» Le jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Alors attention, cette image du feu, c'est pour la fin du processus, hein, quand on va passer de la terre à l'éternité. Mais le jour de Dieu est comme 1000 ans. Hein, c'est aussi Saint Pierre qui nous le dit. Et c'est eh bien, ce temps où le règne de Dieu, sa volonté, sera faite sur la terre comme au ciel. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que le jour de Dieu peut être hâté. Et c'est ce que Louisa vit par sa prière et sa sainteté. Elle cherche à hâter la venue glorieuse du Christ. On lit dans son journal, c'est Jésus qui parle. Tes actes concentrés dans mon fiat, se convertissant en semences de lumière, deviennent des actes de ma volonté, lesquels, avec l'éloquence des voix arcanes et divines, demandent que ce règne aussi saint vienne au sein des générations humaines. Elle le demande. Alors, très simplement, dans son journal, qui est très long, on se rend compte que Louisa remplissait sa journée d'actes intérieurs. Vous savez, il n'y a pas que les actes extérieurs, être dentelière ou écrire des livres. Il y a aussi les actes intérieurs, ils sont encore plus importants. Alors, elle faisait une tournée de la création. Ça veut dire, eh bien, elle parcourait tout ce que Dieu a créé, le soleil, les étoiles, les fleurs, les animaux, nous-mêmes. Et pour tout cela, pour la lumière, l'air, pour chaque vibration, chaque photon, chaque atome, eh bien, elle disait, je te bénis, je t'adore, je te remercie. Je te bénis, je t'adore, je te remercie. Une autre façon de prier, c'est une tournée de la rédemption. Dans la divine volonté, toujours en se mettant dans la divine volonté, eh bien, il s'agit de dire au Seigneur, je me repens, je te bénis, je t'adore, je te remercie, je te demande le salut d'une âme. Vous voyez, une dimension de rédemption, me repentir, demander le salut. Et on fait un parcours, quel parcours? Eh bien, le parcours de la vie de Jésus, résumé dans les mystères du rosaire. Pour chaque pas de Jésus, je te remercie. Pour chaque respiration, chaque douleur de Jésus, je te bénis. Je te demande le salut d'une âme. Pour chaque miracle de Jésus, je te demande le salut d'une âme. Pour chaque souffrance de sa passion, je me repens. Et donc, on peut occuper toute sa journée en faisant une tournée de la rédemption. On peut aussi occuper toute sa journée en faisant une tournée de la sanctification. C'est-à-dire, on va penser au commandement de Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu, tu ne pratiqueras pas d'idolâtrie, encore moins de magie, d'occultisme, pas d'hypocrisie. Respecte le jour du Seigneur, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu n'auras pas de faux témoignages, tu n'auras pas de convoitise secrète dans ton cœur. Eh bien, on peut faire une tournée des commandements et, pareil, à chaque commandement, dire « Je te bénis ». Je t'adore, je te remercie. On peut faire aussi une tournée des sacrements. Mon baptême, savez-vous la date de votre baptême? Le baptême, la confirmation, les communions, sacrement de réconciliation, sacrement du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement des malades. Je te remercie, je te bénis, je te remercie, je t'adore.
On peut occuper sa journée en faisant comme ça une tournée de la sanctification. Et tous ces actes, on peut les faire dans la divine volonté. C'est ça qui est important. C'est-à-dire en considérant que Dieu a voulu la création, que Dieu a voulu la rédemption, que Dieu a voulu les commandements et les sacrements. Et donc, on fait cette tournée, ces trois tournées, en adhérant à la divine volonté. Et là, les choses deviennent infinies, puisque la divine volonté ne peut être qu'infinie, puisqu'elle est divine. Jésus encourage ainsi Louisa. « Ma fille, as-tu oublié qu'un « je t'aime » prononcé une fois dans ma divine volonté possède la vertu de se répéter à l'infini ? Son « je t'aime » est la vie, et en tant que tel, il ne peut cesser de vivre. Il doit avoir son acte continu. Mon fiat ne sait pas faire d'acte fini. Donc, tout ce que la créature fait en lui acquiert la vie pérenne. Si tu savais combien la création est belle, parsemée de toutes ces vies d'amour que tu as formées par tes « je t'aime ». Rendez compte. Si en pensant aux étoiles, vous dites « Seigneur, je t'aime », eh bien, c'est comme si les étoiles étaient parsemées d'une vie d'amour. Si en pensant au vent, vous dites « Seigneur, je t'adore », eh bien, le vent est comme parsemé de cette prière dans la divine volonté, et ainsi de suite pour toute la création, etc., etc. Je continue le journal. En plus, un « je t'aime » en appelle et en réclame avec insistance un autre. Voilà pourquoi tu sens le besoin, la nécessité de continuer la course du tien. Alors oui, nous pouvons prier et hâter la venue glorieuse du Christ, eh bien, en pratiquant dans la divine volonté cette tournée de la création, de la rédemption, de la sanctification, cette prière continue, ces actes intérieurs. Voyez aussi dans l'Apocalypse comment la venue glorieuse du Christ est hâtée. Eh bien, au chapitre 4 et 5, on a une liturgie, autrement dit une prière. Et on entend s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Voilà une prière. Ensuite, il y a aussi un cri de prière, de supplication, celle des défunts martyrs. Jusque à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice ? Apocalypse 6. Puis il y a aussi des prières silencieuses. Il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Apocalypse, chapitre 8. Et puis, la prière de l'Église exprimée en finale de l'Apocalypse, au chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Alors, lisons encore le journal. Il faut appeler, appeler. Jésus, amoureusement, supplie chacun d'entre nous d'appeler. Cesse de vouloir rester esclave et de vivre dans le labyrinthe de tes malheurs et de tes misères. Ce n'est pas ainsi que nous t'avons créé, mais roi de toi-même, roi de tout. Alors appelle notre volonté en tant que vie. Elle te fera connaître la noblesse et la hauteur de la place que Dieu te donna. Oh, combien tu seras heureux, et en même temps tu satisferas ton Créateur. Alors, il y a aussi une dimension de prière qui va jusqu'au sacrifice. Louisa donne deux exemples. L'exemple de Noé, qui sacrifie beaucoup de temps de travail pour construire l'arche de Noé, afin que l'humanité ne soit pas entièrement détruite par le déluge. Et puis l'exemple d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils Isaac, et à partir duquel, eh bien, ont commencé de nouvelles générations humaines. Donc notre prière doit être forte, prête au sacrifice. Vous savez, la croix de l'amour, l'amour peut être un sacrifice, le sacrifice du pardon, du sacrifice de la vérité jusqu'à perdre éventuellement un ami pour être vrai. La croix de l'humilité,
vers un sacrifice, être un peu effacé, être un peu diminué par amour. Tout cela, être prêt à des sacrifices, cela va hâter la venue glorieuse du Christ. Alors bien sûr, comme nous l'avons déjà suggéré, il y a Marie. Toutes choses vont advenir par Marie. Écoutons le journal. La souveraine du ciel surveille la créature pour voir si elle opère dans mon fiat, afin de prendre ses actes avec ses mains maternelles et de les enfermer dans les siens en tant que gage, antidote pour l'obtention du règne de la divine volonté sur la terre. On continue de parler de Marie. Elle y occupe la première place et de droit, elle sera l'annonciatrice, la messagère et la conductrice de ce règne si saint. Du moment que Dieu doit le donner et que la créature doit le recevoir pour arriver à ses fins, il faut des actes des deux côtés. Et puisque c'est la souveraine du ciel qui a le plus d'ascendance, de pouvoir et de domination sur le cœur divin, ses actes seront en tête, suivi par ceux des créatures, changés en vertu divine par ma volonté pour leur octroyer le droit de recevoir ce règne. À ce moment-là, Dieu se sentira disposé à accorder, au nom de cet amour ressenti dans la création, lui qui tout créa afin que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, et que chaque créature soit un règne de sa volonté. Amen. Fiat, au revoir. Et soyez heureux dans cette espérance immense. Que ce bref parcours nous ouvre. Merci, à bientôt.